Un bateau, j'ai envie de me foutre à l'eau, d'enjamber le bastingage, de vivre entre le ciel et l'eau, le reste de mon âge. Guy Bontempelli, 1966, soin, soin, soin. Pas facile d'accès et donc qu'il fallait des transports et en fait ils sont venus avec des ambulances, 2000 personnes, des ambulances. On met trois personnes.
personnes, 4 personnes maximum. Donc c'est des transports pour rien, alors que bah, oui, on a un minibus. Et on a 40 secouristes sur site. Donc le minibus, si tu veux, 9, enfin 8 avec le chauffeur, et 9, le chauffeur fait 9. Donc ça pose quand même beaucoup de soucis. Bonjour à tous et bienvenue au Tonnerre de Brest, cap sur la Russie en ce dimanche 15 juillet. Ne ratez pas dans quelques instants la parade en musique des 180 élèves du Seedorf et du Krusenstern entre le bassin numéro 1 quai de la Douane et le village russe. Un village qui sera inauguré dans la foulée à midi. De 14h à 16h30, rendez-vous sur la digue La Pérouse. Ah oui, c'est vrai. Ce que je voulais, moi, c'était qu'on prévoit à manger pour pas se taper d'un crust encore. Ah oui, on va chez lui, mais on va faire... Oui, je peux t'entendre. Dans le port d'Amsterbrest, il y a des marins qui penchent, et ça sent la morue jusque dans le cœur des flics, la 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 la. Même plus besoin de chanter. Chez Martine, en fait, par le machin de Saint-Nicolas.